Salut, aujourd'hui je vais vous montrer quelles sont les plantes à ne pas tailler, surtout quand il fait moins 4 en plein hiver. Vous allez voir, on va faire le tour de mon petit jardin, je vais vous montrer tous les petits arbustes courants de nos jardins en France. On va voir le rosier, on va voir le fuchsia, on va voir le rodo, on va voir le forsythia, on va voir le lilas, on va voir les hortensias, vous voyez, la liste est longue, je vais déjà vous en montrer quelques-uns et vous allez voir qu'il faut être très patient. Alors pour les hortensias, ceux-là c'est des macrophyllias, c'est-à-dire c'est des boules, hein. C'est des hortensias qu'on voit partout. Et ceux-là on n'y touche pas, surtout pas, il faut les laisser comme ça. Vous voyez là on est en plein nord, et là on les laisse, les petits bourgeons. Donc ils avaient, alors celui-ci il commençait à sortir un petit peu, il gèle, mais bon voilà, à voir. Mais vous voyez ceux-là, tout ça, là c'est bon, on va le laisser comme ça, on va surtout pas le tailler. Ça c'est un petit hortensia paniculata, vous voyez, les petites panicules sont encore là. On le laisse comme ça, la panicule protège les futures fleurs. Donc on taillera, on fera une bonne taille au début du printemps, pareil. Fuchsia, fuchsia ricartoni, vous savez ce beau fuchsia à petites fleurs qui fleurit tout l'été. Ben celui-ci, vous voyez, on le taillera à ras. Moi je le taillerai à peu près à 30 cm du sol, mais au début du printemps. Pour l'instant je le laisse comme ça, je le laisse faire son petit bonhomme de chemin, ça protège. Voilà. Le petit rhodo, rhododendron. Alors celui-ci, vous avez vu, il y a plein de fleurs. Le rhodo normalement ne se taille pas. En règle générale, les plantes de terre de bruyère ne se taillent pas. Là, on fera surtout une taille de forme. C'est-à-dire si vraiment il y a une branche qui vous gêne, vous vous taillerez. Donc pas de taille, surtout quand il gèle. Les graminées, c'est pareil. Les graminées, on les laisse. On taillera tout ça au début du printemps. Vous inquiétez pas. Là, on les laisse, ça protège. C'est considéré comme une plante vivace. Ça protège ses racines. On le laisse comme ça. On n'y touche pas. Début du printemps. Ici, j'ai plein de plantes vivaces. C'est pareil, on les laisse. Vous voyez, il y a un petit peu de feuilles dessus, tout ça. On ne touche à rien. On laisse faire la nature. Il n'y a pas besoin de tailler. On verra ça début du printemps. Soyez patients. Le petit forsythia, pareil, on n'y touche pas. On le laisse comme ça. Les fleurs, ils sont là. Vous voyez, toutes les fleurs sont dessus là, donc on le taillera après la floraison. Pour l'instant, on ne fait rien, il gèle. Le lilas, on ne le taille pas non plus, le lilas, surtout pas. On le laisse, les futures fleurs, ils sont là, donc on le laisse comme ça. On fera une taille de forme au début du printemps si vous voulez, mais sinon on le laisse comme ça. Vous le laissez tranquille, il va faire son petit bonhomme de chemin tout cet hiver. Les abrutiers, pareil, on attend. Il gèle en ce moment, il fait moins 4, donc on attend. Jamais tailler un arbre fruitier quand il gèle, on prend son temps. Vous voyez, ça c'est pas joli, hein. C'est de l'aurone, c'est super bon, on appelle ça aussi la plante au coca. Ben, vous la laissez, on la laisse pour l'instant. Je la taillerai de moitié au début du printemps, quand les gelées ne sont plus à craindre. Alors ceux-là, c'est des petits rosiers grimpants, mais c'est la même chose hein, que les autres rosiers, c'est pareil, on n'y touche pas, on le laisse, hein, on le laisse comme ça pour l'instant, on le taillera au début du printemps, ça c'est hyper important, là il fait moins 4, on le laisse comme ça, on le nettoiera, on lui fera son petit nettoyage de printemps, allez, chez moi en Normandie, début mars, sans problème. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!